merci de rester fidèles à N'oubliez pas les... Avec ses froufrous, son drapeau, hein, et surtout ses 11 000 euros, c'est Aurélie. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir. 11 000 euros en 4 victoires. C'est cool. C'est beau. C'est bien, c'est bien. Je vous rappelle le principe. Aurélie est secrétaire pour plusieurs personnes dans plusieurs métiers. Aurélie connaît les paroles des chansons qu'elle ne connaît pas et ne connaît pas les paroles des chansons qu'elle connaît. J'ai résumé ? C'est bien résumé. C'est bien. Exactement. Et elle veut de l'argent pour envoyer son mari s'éclater avec d'autres femmes à Las Vegas. C'est bien ? Tout à fait ça. Voilà, voilà. Très bien. Voilà. Comme ça, on peut y aller tout de suite avec Anne qui est face à vous. Allez ! Je vous présente votre maestro, la belle Aurélie. Bon, les câlins des filles, on va se déchirer le chignon après, mais on se fait des câlins d'abord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Anne? Je suis professeure de musique en collège. Et vous êtes déjà venue ici? Je suis déjà venue, oui. Qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, j'avais perdu sur la même chanson alors que je menais 60-0. Et alors, il paraît que vous avez gardé en fétichisme un objet de l'émission pendant... Pendant plus d'un an. Un an. Ouais. Qu'est-ce que vous avez bien pu garder de l'émission? C'est quelque chose que vous m'avez donné pendant l'émission. Mon cœur. Ton slip. Oui. J'aurais aimé repartir ton avec, mais non. Ah bah non. C'était un mouchoir en papier. C'est dégueulasse. Je vous ai donné mon mouchoir. Non, je pense pas que c'était le vôtre. Vous m'avez dépanné. Il était propre. Il était propre, je crois. Je vous ai donné un mouchoir en papier. Oui. Très bien. Dans lequel vous êtes... Non, Non, c'était délicat. Je me suis essuyé l'œil qui pleurait un petit peu. D'accord. Et, voilà. Et vous l'avez gardé un an. Je l'ai gardé plus d'un an. Il faut savoir que chaque fois que j'allais quelque part, je montrais... J'ai très honte de raconter ça. Je montrais le mouchoir en disant... C'est Nagui qui me l'a donné. Mais le pire dans tout ça. Il n'y a pas pire. Si. Le pire dans tout ça, c'est pas que moi je sois très fière d'avoir un mouchoir qui vient de vous. C'est la réaction des gens qui font non, fais voir, donne, je peux toucher. Ok. Oui. Ouais, vous avez raison, c'est pire. C'est pire. On est d'accord. Vous gagnez 20 000 euros, que voulez-vous en faire? Alors là, la première chose, j'aimerais emmener toute ma famille sur une île paradisiaque, peut-être Tahiti. Ah oui, c'est pas à côté. Bora quoi. Bora, non. Ok, voilà. Toute la famille, ça représente... C'est mon mari et mes deux filles. Très bien, 4 personnes, ça fait un budget, je sais pas... Oui, de... va falloir que je gagne. Je m'en bats compte, c'est 20 000, c'est plus c'est... Je me suis pas renseignée puisque c'est pas encore très... Précis. Oui, c'est ça. Gagnons-les, on verra après ce qu'on en fait. C'est ça, allez. C'est ça. Anne, Aurélie, vous avez pour 10 points. Bis repetita pour 20 points. Alléluia, 30 points les années 90, 40 soir ou soirée, 50 Christophe Maé, ensuite la même chanson. Aurélie, que voulez-vous, maestro?
On va tenter Christophe Maé pour 50 points. Et vous aimeriez quoi, alors? On s'attache? On s'attache. Belle demoiselle. Ouais. Ok, on va voir. Laquelle? Je me lâche et on s'attache. On s'attache et là. Mais c'est pas pour autant qu'il faut. Je me lâche. Il y a des jours où je me lâche et j'en vois tout se prendre l'air. Que voulez-vous, Aurélie ? Je me lâche, Christophe Maé, je me lâche. Très bien, je me lâche. Et on va se lâcher 8 mots à trouver. Faites du bruit pour la maestro. Je suis pas trop grosse. C'est pas que je n'aime pas mon job, mais j'en peux plus d'être au service de mon boss. Je rêve de lui dire vous êtes aussi con que moche. Il y a des jours où je me lâche et j'en vois tout foutre en l'air. Mais je veux que l'on me lâche, j'ai besoin de prendre l'air. Merci Fabie, Jessie et Manu. Gros moment de solitude, mais si, et puis plus rien. Aurélie. C'est ballot parce que je connaissais avant, après. Mais évidemment, c'est le milieu qui pose. Ça tombe mal, quoi. Ça a toujours été le milieu qui vous a posé un problème. On peut dire ça comme ça. Alors, mais si. Y a rien. Y a rien qui vient ? Non. Non, Anne, une idée ? Absolument pas. Aucune idée. Aucune Quelqu'un idée. Quelqu'un a la chanson de Christophe Maé ou pas ? Oui ? Mais oui. Mais oui. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Élodie. Elle connaît toutes les paroles, Élodie. Mais si... Je les suis, je finirai dans le vent. Ah, il y a un truc que je comprends pas, Élodie. Le casting ne veut pas de vous ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça a pas marché les deux premières fois. Vous avez passé deux fois les castings. Chaque fois qu'un candidat ou une candidate sur le plateau ne connaît pas les paroles, vous les connaissez ? Et vous chantez faux ? Il y a un problème d'odeur ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis pas chanteuse, après. Oui, non, mais moi non plus, mais... Insistez. Puis là, maintenant, ils vont vous reconnaître quand vous allez revenir au casting. Faites du bruit pour elle, Elodie. Elle assure chaque fois les paroles. C'est quoi ton problème avec elle ? Ouais, genre, je m'en souviens pas. T'es patron du casting, on va voir ça. Bon, voyons maintenant ce que va faire Anne, un soir ou soirée. Année 90, Alléluia, bis, répétita. Je vais prendre soir ou soirée pour 40 points. Alors c'est quoi, à votre avis ? Ces soirées-là ? Ah, peut-être, oui. Désolé pour hier soir. Eh ben, on y va. 40 points en jeu, il y a encore un soir, Céline Dion. Encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur. Ou la nuit de folie. Tu chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Je vais partir dans une grosse nuit de folie. Allez, Simo. Six mots sont à retrouver, c'est Anne qui s'y colle, fait du bruit pour elle. Y'a
c'est qu'on monte nos mains vers le point le plus haut. Sûr de vous ou pas? Je pense que je suis sûr. Ah oui, vous croyez éventuellement être sûr. Peut-être je suis sûr. Ah, c'est ça. Il y a des nuances dans la vie. Bloquez-vous ses paroles, voulez-vous changer quelque chose? 40 points en jeu. Nagui, je bloque ses paroles. Très bien. Elle prend la tête. Anne, avec ses 40 points, sera forcément en tête au moment de la même chanson. Ça va lui rappeler une période précise. Aurélie, 10, 20, 30, il faut absolument marquer je des points. Je vais prendre les années 90 pour 30 points, oui. Alors, allons-y. Pour 30 points, vous avez le choix entre Désenchanté... ou Léa. Léa. Elle est pas terroriste, elle est pas antiterroriste, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Aurélie ? Sans aucun doute, Mylène Farmer désenchantée. Sans aucun doute ? Sans aucun doute. Tellement quoi ? Tellement Léa, elle est très compliquée. Ou tellement vous aimez désenchantée ? Tellement Léa, elle est très compliquée. Ou tellement vous connaissez toutes les paroles de désenchantée ? Ah bah alors j'ai envie de vous dire que je la connais pas tellement, donc peut-être que je la connais finalement, on sait ben pas. Mais c'est ça, 5 mots seulement pour elle à trouver une chanson qu'elle ne connaît pas. C'est facile, c'est parti, faites du bruit. Merci Magali de tout entendre quand la raison s'effondre. Est-ce que cette chanson que vous ne connaissez pas a des paroles qui vous conviennent? Ça m'est venu comme ça. Donc je pense que dans la voiture, quand je me prends pour Mylène Farmer, je dois chanter ça. C'est votre salle de répétition, la voiture? Exactement. Je ne chante que dans la voiture, par contre. Très bien. C'est bien pour les voisins. C'est très bien. Je vais bloquer ces paroles. Très bien, oui.
Enfin, des points pour Aurélie, on avait besoin. 30 points, Anne, vous êtes et vous resterez en tête, mais avec un écart de plus 10 ou plus 20. Je vais essayer, alléluia. Alléluia. Pour 20 points. Il y a par exemple, Dieu m'a donné la foi. Dieu me donnait la foi, brûle au fond de moi. Ou Edith Piaf. Mon Dieu, mon Dieu. Que voulez-vous ? Je vais prendre Dieu m'a donné la foi. Voilà, vu la tête que vous faites, vous avez la foi ? Foi ? Ah oui, oui, j'y crois beaucoup là. Très bien. Dieu m'a donné la foi, alors que moi il a retiré la voix. Il y a trois mots à retrouver, c'est parti, faites du bruit pour moi. J'étais assise par terre et je réfléchissais très fort. Ah non ! Je te donnais ça, écoute ça. Comme un oiseau dans le ciel, maître de l'espoir. Il m'en a fallu du temps pour pouvoir trouver ma place. J'avais perdu la notion du temps qui nous cache. Oh, on a eu si souvent envie de voiler. Cette force qui guide mes pas, un suspense insoutenable, bloquez-vous ou pas ces paroles alors qu'Aurélie se rend compte de ce qu'elle a fait. J'aime partager, j'aime offrir, j'aime... Et elle aime recevoir, ça tombe bien, ça tombe bien. Que faites-vous ? Eh bien, à la surprise générale, non. Je bloque non. ces paroles. Non, ne faites pas ça. Bah ouais, vous l'avez chanté deux fois, confortée par Aurélie. Voici les 60 points pour Anne et les 30 pour Aurélie. Aurélie, allez vous installer dans le fauteuil. Il y aura 334 mots dans la même chanson. 334 mots, on n'y est pas encore. Mais vous, vous pouvez jouer avec nous. Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit bonhomme en mousse en 1. Écorcher mon petit cœur tout mou en 2. 3632, c'est au téléphone. Il y a 4000 euros potentiellement qui vous attendent. Et le 7-21-21 par SMS. Nous revenons après. Bonjour, je m'appelle Norman. Mounir. Ma Marie. Alain. Je suis étudiant en droit. Retraité. Chauffeur de bus. Forain. Chercheur en physique. Il paraît que Laurent Ruquier recherche le meilleur orateur de France. Il est là, mon pote. Et si c'était moi ? C'est moi. C'est moi. Le meilleur orateur de France. Il est là. Et si c'était moi ? C'est peut-être moi. Vous l'avez devant vous, messieurs, dames. En chair et en os. Je suis le meilleur orateur. On s'en prend prétentieux, quand même. Pour le savoir, rendez-vous dans Le Grand Oral sur France 2. Le Grand Oral, présenté par Laurent Ruquier. Mardi prochain à 21h sur France 2. Gardez le sourire devant N'oubliez pas les paroles avec Gum Activital. Retour dans N'oublie pas les paroles. Pour l'instant, la maestro Aurélie est en danger. Elle est dans le fauteuil. Elle a 30 points. Anne, sa challenger, en a 60. Tout va se jouer sur cette chanson, Anne. Soul Man de Ben L'Oncle Soul. Vous avez déjà participé à cette émission. Vous étiez déjà en tête sur la même chanson. Ça vous renvoie à cette situation-là. Complètement, oui. Soul Man, bonne nouvelle ou pas pour garder un mot d'avance. Très honnêtement, je vais évidemment tout donner, mais je ne suis pas hyper sereine. L'histoire ne se répète pas. Voilà, des fois, on va dire ça. Des fois, elle bégaye. C'est parti, faites du bruit pour Anne. Sur terre, la patience de ma banquière, j'ai pas ces choses.
maîtresse n'était pas là. Cruella. Elle a dit plusieurs cordes, il fallait dire j'ai pas l'âme d'un gangster, la bonté de l'abbé Pierre. Oui. Tout est encore... Elle est en train de s'éclater sur ACDC. Aurélie, on va la libérer. Tout est possible pour elle. La remontada. Voici le score. Dan. Quarante-huit mots et vous restez maestro, Aurélie. 48 mots sur une chanson de Ben, l'oncle Saul. Ça vous fait rire ? Non, j'aime beaucoup. Aïe, ça c'est une mauvaise nouvelle. Peut-être qu'on la connaît. Aïe, ça c'est une très mauvaise nouvelle. Oui. Laquelle ? Soulman ? Oui. D'accord. Oui. Alors, je la connais dans son intégralité, mais alors quoi, avant quoi, après quoi ? Mettez tous sur la table, on fera un tri, on verra ce qui se passe. Allez, maestro, va-t-elle le rester ? C'est parti, c'est maintenant ! J'ai pas le regard de Spike Lee. J'ai pas le génie de Vinci. J'ai pas les pieds sur terre, la patience de ma banquière. Ah ouais, ça pas la chance, c'est pas la chance, Cruella. Non, il fallait dire j'ai pas la sagesse de Gandhi. Score, quelques points quand même inscrits pour Aurélie, pas assez pour Atabéane. Roulement de tambour, changement de propriétaire pour ce micro d'argent. Aurélie de partir avec 11 000 euros. C'est déjà très bien. Et des bisous, des bons souvenirs. Merci, tous mes voeux de bonheur en tout cas. Elle est maestro! C'est fait! Vous avez conjuré. Le mauvais sort. Et ouais. C'est exactement le sentiment que j'ai maintenant. Tenez, là. Je vous offre un mouchoir. Oh propre. Merci. Propre. Vous savez que là, les gens vont me harceler. Oh! €1 000, si vous me donnez deux mots d'une chanson, plus de mots dans une chanson plus loin, 2 000 euros, beaucoup plus de mots, beaucoup plus loin, 5 000 €, énormément de mots, 10 000 euros, et la totale. C'est bien, j'ai le sentiment d'avoir pété un câble. Alors, si c'est bon comme ça, c'est Sinclair, tombé du ciel, c'est Jacques Higelin, que voulez-vous ? Je vais prendre si c'est bon comme ça. Il y a un joker pour vous aider, deux mots à découvrir pour 1 000 euros, elle est la nouvelle maestro. Il n'est pas diplômé, bloquez-vous ses paroles. Voulez-vous les initiales ? Voulez-vous changer ? Que faites-vous ? Je bloque ses paroles. Ça passe, il faudrait maintenant 2000 euros pour 2000 euros, 5 mots. Ça se tente ou pas ? Ça se tente. Allez, Fabien ! J'ai pas diplomate, il n'est pas diplômé. Elle fume de gros cigares. Pardon ? Ça donne un goût étrange. Oh, c'est pas la peine de lire sur ce ton-là non plus. Voulez-vous changer quelque chose ? Bloquer les paroles, vérifier ? Qu'est-ce qui se passe ? Je bloque ces paroles. Il faudrait
7 mots pour avoir 5000 euros, ça commence à être costaud. Il y a un joker encore. Jouez-vous la sécurité ou prenez-vous le risque? J'hésite énormément. J'hésite énormément. Si je suis joueuse, je tente évidemment les 5000 euros. Si je suis raisonnable, je m'arrête à 2000. Je vais tenter les 5000. Elle n'est pas raisonnable, Fabien. Allez. Quand tout se mélange, ça donne un goût étrange. Regarde la télé et parle au téléphone. Il aime le franc-parler, elle ne parle à personne. Il aime le franc-parler, elle ne parle à personne. Il aime son franc-parler, il aime le franc-parler. Voilà, les hésitations commencent. Et si elle ou il. Donc je vais prendre les initiales, s'il vous plaît. Mais ne parle à personne. Il aime le franc-parler, mais ne parle à personne. Bloquez-vous ses paroles. Je bloque ses paroles. Oui. 5 000 euros, qu'est-ce qu'on fait? Je vais m'arrêter là. C'est sûr? Oui, c'est okay. Sûr. Elle sera là demain, vous aussi. J'espère passer une bonne soirée à 5 000 euros. Et rendez-vous demain à 18h50. Après, tout le monde a son mot à dire sur le 20h. Ciao, ciao, ciao.